L'intitulé de cet océan est le suivant. Présenter deux limites à l'utilisation du PIB comme indicateur de la croissance économique. Il faut d'abord analyser les mots indiquant le travail à faire. Ici présenter, autrement dit montrer. Deux limites, c'est-à-dire deux inconvénients. Indicateur signifie une mesure. On peut alors reformuler la question. Il faut donner deux cas où le PIB ne permet pas de mesurer l'augmentation de la création de richesses. Il faut alors identifier les notions essentielles. D'abord, il faut définir la croissance économique. La croissance économique s'occasionne à long terme, plusieurs années, voire dizaines d'années. Ensuite, elle est auto-entretenue, c'est-à-dire que la croissance d'aujourd'hui contribue à la croissance de demain. Troisième caractéristique, elle n'est pas homothétique. Cela veut dire que la croissance engendre des transformations structurelles. Enfin, il se réfère à un indicateur quantitatif, traditionnellement le PIB. On peut alors définir le PIB. Le PIB est l'indicateur qui mesure la création de richesse d'un pays. On le calcule en ajoutant la somme des valeurs ajoutées produites par les entreprises implantées dans le pays. Il faut ensuite ajouter la TVA grevant les produits et les droits de douane. On peut alors répondre à la question. Le taux de croissance du PIB est traditionnellement utilisé pour mesurer la croissance économique. Or, il a plusieurs limites. Il faut en donner deux dans l'exercice. On peut en énumérer beaucoup plus. Par exemple, la première limite, c'est que le taux de croissance du PIB sous-estime la valeur des activités non marchandes. Ainsi, la production non marchande est évaluée au coût de production. Le taux de croissance du PIB ne tient pas compte alors de l'amélioration de la qualité des services non marchands, puisqu'ils n'ont pas de prix. Deuxième limite, la sous-estimation de l'amélioration des produits. En effet, les améliorations et les innovations de produits sont difficilement quantifiables. Le taux de croissance du PIB ne tient pas compte de l'amélioration de la qualité de la production marchande s'il n'y a pas d'augmentation de prix. Troisième limite, le PIB ne comptabilise pas toutes les activités productives. Ainsi, les activités domestiques et le bénévolat ne sont pas intégrés dans le PIB, car ils n'ont pas de prix de marché et sont difficilement quantifiables. Ainsi, toutes ces activités productives qui échappent aux règles traditionnelles du marché ne sont pas comptabilisées dans le PIB et sont donc oubliées dans la croissance économique. Quatrième limite. D'autres activités productives non intégrées dans le PIB, c'est ce qu'on appelle l'économie souterraine et l'économie informelle. L'économie souterraine regroupe toutes les activités illicites et non déclarées. Dans ces deux cas, ce sont des activités productives qui échappent aux règles traditionnelles du marché et qui ne sont donc pas intégrées dans le PIB.